Le tournoi fut très court pour le Sarreguemines Hugo Schott, 89e joueur français. Face à lui, pour le premier tour des internationaux de tennis de Sarreguemines, se trouvait le finaliste junior de Roland-Garros, Leandro Pliedi. Le joueur mosellan a essayé de tenir le rythme imposé par le Suisse. Je joue un joueur très, très offensif. Moi, j'ai l'habitude de jouer sur des filières un peu plus longues, donc quand les points durent un peu. Lui, là, sa tactique, ça a sûrement dû être de décourter les échanges pour me perturber. Il a réussi vraiment à bien le faire avec très peu de déchets. Leandro Riedi a finalement eu l'avantage et a remporté le match en 2-7, 6-3, 6-3. Hugo Schott reste fier de son jeu, mais pour lui, c'est une sortie de tournoi décevante. Alors je suis déçu du résultat, hein. C'est sûr de s'arrêter d'entrer là en un tournoi auquel j'adore jouer et participer. Et puis les années précédentes, j'étais allé plus loin, donc j'avais pris l'habitude d'enchaîner un peu les matchs ici. Là c'est décevant de s'arrêter tout de suite, après je savais que ça allait être un match difficile. Ce tournoi est l'occasion pour les joueurs d'améliorer leur place dans le classement ATP qui regroupe les 1000 meilleurs joueurs mondiaux. La défaite d'Hugo Schott n'a pas impacté son placement, il reste à la 935e place. Cette année, le niveau était particulièrement élevé. Ouais, cette année, le tournoi est vraiment particulièrement relevé. C'est du jamais vu parce qu'on a des joueurs entre la 350e place mondiale et le moins bon et 520e mondial. Ça, c'est dû au Covid parce qu'on a très peu de tournois organisés dans le monde. Et l'évolution de la situation sanitaire a changé l'organisation du tournoi. La suite se déroulera à huis clos et la compétition devrait se finir vendredi soir au lieu de dimanche. Pour Hugo Schott, avec les nouvelles mesures annoncées, la suite des compétitions demeure incertaine.